Santé mentale nan prison, yon question ki pote atteinte ak dwa moun, etat de dwa ansanm ak kondisyon fam. Pote kole a propozo semen sa, yon emisyon espesyal, an dedan yon potre Mikaela Stipel, ajan koreksyon nan minista, ki met kol deyo pou ede detni ayisyen yo. C'est pas façon pour nous être humain vivre, de ne pas respecter les droits nous étant que être humain en Haïti, de traiter nos temps bêtes. Parce que les gens mettent nous vivants dans la prison, c'est pas que ça pour nous être vivre. J'ai une liste de 18 cas où les assistants sociaux ils pensent qu'ils ont des troubles mentaux. Et c'est à moi maintenant de faire le diagnostic s'ils ont vraiment une maladie mentale ou un psychiatre, un psychologue a besoin de les voir. Quand j'avais appris qu'il y avait un psychologue à la MINUSTA, à ce moment-là, j'avais demandé à l'unité correctionnelle si on pouvait m'aider et à ce que ce psychologue vienne ici pour rencontrer une détenue avec qui j'avais rencontré pas mal de difficultés. En juin de 2010, je suis venue à Haïti pour aider le système pénitentiaire à Haïti à travailler sur la question de la santé mentale au milieu carcéral. Patience et détermination, c'est ça Mikaela Stipel besoin pour lever qu'aucune chaîne défi ça. Zafè soin mental dans prison en Haïti. Ça pas existé. Tout bagay fait pour inventer. Faut que mentalité yo change tout. Et je commence à utiliser cette expression moi-même. Si Dieu veut, tu auras ton jugement le prochain an, si Dieu veut. On ne sait jamais ici dans ce pays qu'est-ce qu'on va arriver. Et on ne sait jamais pour les sortes de délits combien des ans est-ce que le juge va donner. J'ai appris que ça dépend aussi un peu de l'argent. C'est très difficile. Donc, ce sont des personnes qui pleurent souvent, qui ne savent pas à qui s'adresser. Parfois, elles n'ont pas le moyen d'avoir un avocat. Et c'est pour ça que les détentions sont si prolongées. Vous imaginez que au monde a passé n'importe 6 ans là, il faut que j'aime juger. Et puis là, le juge, au ballon 6 ans encore, avait dit qu'il perdu 12 ans dans la ville. 12 ans pour qui ça? Pour un bagage qui était jugé, il était qu'à ballon l'autre chance pour lui refaire vivre. En Haïti, c'est comme qu'il n'y a pas de chance pour lui faire vivre. On était qu'on criait chaque jour. On était qu'on voulait manger. Mais depuis là, ma première Mikaela, moi manger. Et puis, moi dormir. On était qu'un problème dormir. Et on était qu'un problème de tête fait mal tout le temps. Depuis là, ma première Mikaela, tout bagay pas même genre encore pour moi. Lui aider nous en pile. Rôle ministre dans prison yo limité. Unité correction appuyé à contrôler travail agent pénitentiaire. Mais Mikaela lui-même là pour parler avec mesdames yo. Mettez-vous à l'aise.
Lò fini, li mene yo bay psikiat. Se dokte a ki konsilte yo ak preskri malad yo medikaman yo dwe pran. Donc on a donné des petits comprimés. Yeah. On a donné pour insomnie. Oui. Mais après on a changé. Quand je le prends, ça m'aide à dormir. C'est comme si il y a un blanc dans mon sommeil. Ça m'aide. Je ne pense pas. Nous à la venue, nous parlons de ma gorge, qui t'ont parlé, expliquer tout ça gagne, tout ça voulait dire, le cadet, le quoi. Très bon. Et inspecteur santé jugé nécessaire. Saint Michael a vint là, il dit livrer pour moi ouais. Michael ensemble avec Michael. Et puis depuis l'homme m'a pour Michael a aidé moi et il parlait avec moi. C'est ça qu'on fait un programme, c'est ça vous connaissez moi de Michael every Monday and Wednesday. It's just like, il parle avec nous. Et depuis là, je viens de faire pas même gens pour moi encore. Dans la prison civile Port-au-Prince, il parle aussi pelatif. 3000 prisonniers pile sous pile. Pour quelques là-dedans, c'est isolement total capital. Il n'a pas parlé ni créole, ni français, ni anglais. Il a parlé quelque chose qu'il a composé lui-même. C'est-à-dire, je crois que ce monsieur a besoin d'une aide psychiatrique et a besoin de médicaments psychotropes. En Haïti, 3 détenus sur 4 ont croupi des barreaux à tant de justice. Yon bagay chrétien vivant kap soufri en bas maladie mentale, pas ka sipote. Il n'y a pas une loi, il n'y a aucune institution qui dit « Ok, cette monsieur, cette dame a commis un délit, mais elle a une maladie mentale, c'est pour ça qu'on le doit transférer à un centre psychiatrique. » Non. Toute personne qui est qui a commis un délit ou la police pense que cette personne a commis un délit, il rentre en prison. When I sleep, yeah, over there, like that, comme ça, over there, like that. But this is still luxury. Je ne tolère pas la chaleur, je ne tolère pas le manger, je ne tolère rien. Des rats, des bestioles, des cafards qui sortent de partout dans la cellule, toutes ces choses-là. Puis faire pipi d'un sac, après ça, aller sortir ça dehors. Mon Dieu, c'est l'enfer total, ça sent pas bon. C'est l'enfer sur terre, si je peux le dire ainsi, parce que tout le bagage, c'est sous pression qu'on fait. Vous comprenez? On peut lever bonheur le matin, 5h45. Pour le bien, on va même bien une heure de temps pour faire ça, pour gagner 20 minutes pour bien, pour courir rentrer dans la cellule. À 5 heures, la toute prison fermée net, et puis je t'ai regardé 4 nuits, et puis pour l'attaque, pour la sortie, et puis tant que notre salle côté mien, c'est 22 mois qu'il a là. Donc ça veut dire tout le monde parler même l'air, et puis trois bruits. Quand ils m'ont mis dans la cellule, oh maman, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais mourir ici, moi. Si vous avez des gens en prison, comme ceux qui viennent, qui viennent parler avant, qui viennent retirer le stress dans la tête, ou quand tu es en prison. Prison civile Pétionville gagne 245 femmes là-dedans, qui n'ont un espace construit pour 36 personnes. Femmes, c'est pour ton mi-temps famille ici. Là. Yo lagué des bras ballants. D'après ministère, yon femme sous 4 fait maintenant prison sans raison valable. Il a ce phénomène que les femmes perdent le sens du temps. OK? Et
perdent aussi le sens de l'espace. Ils perdent un peu le sens de soi-même. C'est la femme qui doit tout contrôler, c'est la femme qui doit cuisiner, c'est la femme qui doit faire la lessive, c'est la femme qui doit repasser tout. C'est la femme qui doit contrôler aussi les leçons de ses enfants à la maison. Donc voilà pourquoi je dis que c'est plus difficile pour les femmes qui sont en prison que les hommes. Parce que quand une femme laisse sa maison, c'est comme si la maison n'a pas de vie là-dedans. Parce que des fois, là, je suis pas Après 2 ans le fin passé depuis en Haïti, il est temps pour Mikaela tourner la caille dans pays l'Allemagne, à servir le gouvernement qui était voyé là et puis à l'occuper des propres têtes. Mais il n'est pas question pour l'abandonner patient. Yon l'autre patne pral prend la relève, c'est ONG américain Health to Wealth qui a occupé des affaires santé dans prison en Haïti depuis 10 ans. Les nous fin parler avec Mikaela, nous réaliser qu'il finance un bon parti projet avec l'argent qui sont dans la poche. Kounia l'a quitté pays, nous pas t'avlé ça créer un vide. Qui donc, moi promette li que nous pral faire suivi à nous-mêmes. Avant nous joindre un financement qui est plus formel. Fonds nous pas le joindre, c'est don personnel nous pas le recevoir dans mes familles, avec amis, par bon accueil nous. Comme ça, psychiatre là pral ka continuer travail avec joindre médicaments. Mais ça Mikaela pral gen plus mal pour le transmettre, c'est approche personnelle ak imen li utilise pour résoudre problème yo. Bye. Pourquoi les gens ne peuvent pas être heureux? Pourquoi il y a toutes les crises entre des personnes? Pourquoi il y a des crises de couple? Je cherchais toujours le pourquoi. Et j'ai cherché en réponse toujours au niveau de relations humaines. C'est combien ça? C'est combien de dollars US? Ma passé dans prison, on va pas encore.